Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est lundi, on est ravis de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à 19h, c'est les vraies voix. Salut Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Comment ça va Philippe David? Ça va très bien et je pense que Philippe Bilger, qui a l'habitude de tenir des propos fielleux à mon endroit dès que je parle d'arbitrage, devrait écouter ou réécouter, s'il n'a pas entendu, le match UBB Stade Toulousain d'hier. Je me suis même fait chambrer par l'équipe Sud Radio Rugby en me disant, tiens, on croirait Philippe David parlant de Ben O'Keefe, l'arbitre de France-Afrique du Sud. Donc vous voyez, je ne suis pas le seul Philippe Bilger. Je suis ému parce que je vois qu'il y a quelqu'un de bien dans la salle, la sœur de mon animateur masculin préféré. Oui. Mais votre réponse sur mes propos. En fait, il ne veut pas vous répondre, je crois. C'est impossible. Ouais, c'est impossible parce que j'ai rarement vu un plus mauvais joueur que vous. Ouais. Vous plaisantez. Non. On va ressortir les qui c'est qui l'a dit. Vous allez voir. Je parle de jeu sérieux. En tout cas, ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir. On espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, le sommaire de cette émission, c'est à 17h30, le grand débat du jour. Normalement, il y a un petit truc, non, mais c'est pas grave. La branche du groupe État islamique impliquée dans l'attentat de Moscou avait mené plusieurs tentatives en France ces derniers mois, indique le président Macron. Le gouvernement rehausse le plan Vigipirate au niveau urgence attentat. En Russie, 4 assaillants présumés ont été placés en détention provisoire avec un bilan désormais estimé à un peu plus de 137 morts. Oui, alors croyez-vous que Moscou marque le retour des attentats de Daesh en Europe? Pensez-vous que, après 2015 et 2016, la France a pris les mesures adéquates contre les attentats de masse? Avez-vous peur d'un retour des attentats en France? Et à cette question, hashtag Moscou, hashtag Vigipirate, la France peut-elle être de nouveau une cible pour Daesh? Vous dites oui à 63%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Claude Moniquet, sera avec nous, président du Centre Européen pour le Renseignement Stratégique et de la Sécurité et ancien agent de la DGSE. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, ce sera à 18h30. François Bayrou appelle le gouvernement et les parlementaires à discuter d'une hausse ciblée des impôts pour faire face au déficit. Option déjà remise sur la table par la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Braun-Pivet. Mais le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, rejette catégoriquement cette hypothèse. Alors parlons vrai, une hausse des impôts est-elle inéluctable vu l'état des finances publiques de la France? Si oui, quels impôts faut-il augmenter? Sur les entreprises, les particuliers ou les deux? Est-il possible de faire sans hausse d'impôts en réduisant les dépenses? Comme dit Bayrou, pour réduire le déficit, faut-il des hausses d'impôts ciblées? Vous dites non à 55%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre expert du jour sera Benoît Perrin, directeur de Contribuables et associé. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, bien entendu, Philippe Bilger, il est là tous les jours, donc on ne peut pas faire sans lui. Oui. Ça va Philippe Bilger? Ça va très bien, ma chère Cécile. Bien entouré ce soir. Contrairement à ce que vous m'avez répondu, il faut répondre aux questions qu'on pose dans les vraies voix, pas répondre à côté, comme je réponds à une de vos nombreuses attaques. Je voulais rendre hommage à votre sœur. Voilà. Là, on ne peut rien dire. Ah bam! On l'entend plus, Philippe David, là. Joseph Touvenel est avec nous, directeur de rédaction du magazine Capital Social. Ça va, Joseph? Eh bien, très bien. Je suis heureux de participer à cette réunion de famille. Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, et le filleul de Philippe David. Et un autre qui est aussi un peu de la famille, c'est Jean Dorédo qui est avec nous, docteur en psychologie. Bonsoir, Jean Dorédo. Bonsoir, Jean. Bonsoir à tous. C'est le tonton psy. Vous savez, c'est celui qui vous analyse dès que vous ouvrez la bouche. Il prend des notes. Dès qu'on parle, il prend des notes en disant, bon, bah là, je vais leur mettre un petit laxatif, ça va les détendre. D'ailleurs, il m'a dit que j'étais le seul saint d'esprit dans les vraies voix. Ah bon, à quel moment il vous a dit ça? Ah bah, il me l'a dit plein de fois. Entre 5h et 6h du matin. C'est que le psychologue l'est-il. Mais comment vous écrivez saint? S-E-I-N ou S-A-N-T? Ça dépend des contextes. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Quand les gens commencent à avoir des voix, moi je me méfie. Allez, ce numéro 0826 300 300, c'est notre auditeur du jour. Hervé est avec nous. Oui, bonjour. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Et de quoi parle-t-on avec nous dans un instant? Avec vous, écoutez, plutôt. Moi j'ai un coup de gueule à pousser sur l'éducation nationale, c'est-à-dire que plus le niveau baisse, niveau 3e et bac, et plus on fait rien. Voilà. Ah, vous allez être le nouveau meilleur ami de Gabriel Attal. Allez, bougez pas, on revient dans un instant en attendant le répondeur. 0826 300 300. Oui, bonjour, c'est François de Nice. Sur de la sécurité routière, regardez sur la Ligue des conducteurs, il y a une vidéo qui est parlante pour ça. La vitesse, c'est un phénomène aggravant.
Mais le problème numéro un, c'est l'état des routes en France. Alors que le gouvernement s'apprête à mettre sur la route des véhicules pièges pour contrôler la vitesse, parce que ça fait rentrer de l'argent. Uniquement ça. Donc il faudrait mieux d'entretenir les routes et la mortalité, elle baissera toute seule. Merci, bonne journée. Bon, il n'a pas tort François, il y a pas mal de nids de poules sur l'autoroute. Je ne sais pas si les routes sont mauvaises dans l'ensemble de la France, mais dans la région parisienne, et je suis bien placé pour en sentir les chocs, puisque je suis à Place du Mort, en ce qui me concerne. Et donc, vraiment, il y a des routes, c'est incroyable. Je pense surtout aux motards. C'est un fait que c'est ultra dangereux, et il a raison François, c'est quand même une réalité, on se demande parfois si l'objectif de la sécurité routière, c'est pas de rentrer de l'argent plutôt que de protéger la vie des conducteurs et conductrices français. On va encore se faire engueuler avec vos conneries là. Ça s'appelle une hausse ciblée des impôts, comme le souhaite François Bayrou. C'est plus compliqué que ça. Direct. Ah oui, bon, bah, vous dites pour, cette semaine. Pour les véhicules pièges, c'est bien vu, oui, c'est une hausse ciblée d'impôts. Allez, direct sur les Hauts-de-Seine avec Anthony. Anthony voulait revenir sur. Hervé, pardon, habitez Anthony, pardon. Excusez-moi. Oui, c'est pas grave. C'est la blonderie. C'est du lundi. Vous voulez rehausser le niveau. Pour vous, il faut rehausser le niveau des brevets. C'est ce qu'a dit plus ou moins Gabriel Attal, en fait. Bah non, mais Gabriel Attal, il a totalement raison. Seulement, le mal est beaucoup plus profond parce que depuis, ça fait au moins 20 ans, 25 ans qu'on a baissé systématiquement le niveau à la fois des examens brevet et bac. Et que, si vous voulez, le niveau baisse, je vous donne un exemple. Le niveau pour les troisièmes, c'est quelquefois, c'est des dictées niveau cinquième. En ce qui concerne le bac, par exemple, c'est bien sûr qu'on touche, on retouche aux notes lors des passages, mais par exemple lorsqu'il y avait en histoire-géographie une mineure et une majeure, lorsque la majeure n'était pas réussie, on changeait de mineure et de majeure pour faire remonter artificiellement les notes. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus grave que ce que dit en fait Gabriel Attal. Je crois qu'il ne connaît pas bien, ou alors il est manipulé par les hauts fonctionnaires de l'éducation nationale qui sont bien sûr plutôt bienveillant, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'ils n'aident pas vraiment les élèves à progresser. Philippe Bilger, est-ce que c'est pas quand même une remarque juste des taux de réussite à 90, 92, 95%? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Sûrement, j'ai parfois l'impression qu'il y a un couvre boîte, le niveau demeure le même. Et qu'il n'y ait pas de détournement de mineurs. Ça dépend de quel côté. Le problème, c'est pas le taux de réussite. Quand on prépare des gens à un examen, l'objectif, c'est que 100% l'est. C'est le problème, c'est effectivement le niveau, et on ne peut pas reprocher aux élèves de baisser de niveau. C'est parce que l'enseignement est mal fait. Mais en fait, c'est... il corrige un petit peu pour le brevet, donc, en fait. Oui, à la et même pour le bac. Corrections, il y a du bidonnage, mais je rappelle juste que l'académie qui bidonne le plus ses chiffres, c'est Créteil, c'était l'académie de M. Blanquer qui bidonnait déjà bien ses chiffres. Et donc ça remonte au sommet de l'État, ce drame de l'éducation nationale. Mais c'est certainement pas les gamins qui sont responsables. Il y a bon, cher Joseph, vous embrasse. Il y a des gamins, comme vous dites, qui n'en fichent pas une rame. Hein. Ça arrive. Oui, et alors, c'est quoi qui a l'autorité dans la classe? Attendez, Hervé, Jean Dorido et Hervé. Il me semble, si vous voulez, que c'est... Alors c'est... À mes yeux, c'est pas tant la question du niveau qui est un problème, parce que j'ai le sentiment qu'on a toujours d'aussi bons ingénieurs, d'aussi bons médecins, d'aussi bons avocats en France. Mais les fusées, quand même, décollent toujours pas trop mal. Et le TGV, quand même, on le toujours à 300 à l'heure. En revanche, ce que je trouve très problématique pour l'école française, c'est qu'elle est de plus en plus une machine à reproduire les inégalités sociales. C'est-à-dire que là où nos grands-parents ont connu vraiment l'ascenseur social avec des personnes qui sortent du ruisseau et qui réussissent par le biais de l'école. Écoutez, j'ai quand même le droit de... Mon point de vue, l'école, elle est faite pour sélectionner dans une démocratie les meilleurs éléments d'une société pour qu'ils puissent se hisser au plus haut niveau de décision. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'école est une machine à reproduire les inégalités sociales, et les questions du niveau, en fait, n'y changent rien. Allez, une
une réponse avec vous, Hervé. Moi, je trouve que c'est hors sujet ce que dit Dorido, mais vous en pensez quoi, Hervé? Ah, bah, oui. Moi, j'étais plutôt d'accord. Non, mais c'est bien plus grave que ça. C'est-à-dire qu'on a baissé les exigences. Et quand il y a des examens, si vous voulez, on pose des questions auxquelles, évidemment, on ne peut que répondre facilement. Et quand on voit, par exemple, quand on fait le brevet, quand on fait le bac, on a des instructions de l'inspection pour dire si jamais l'élève a fausse, il faut compter quand même bon. Alors, bien sûr que le niveau a été baissé. D'autre part, quand nous réunit en début d'année professeurs avant la véritable rentrée, on nous dit qu'on a mal travaillé quand on a noté très sévèrement, notamment dans l'Académie de Créteil ou de Versailles. Donc, vous voyez bien qu'au départ, il y a la volonté de baisser le niveau, d'exigence. Donc, en fait, le niveau... Enfin, moi, ça m'a bien aidé à l'époque, hein, je vous le dis tout de suite. et attention à l'effet pervers des dernières réglementations, ouais. C'est que si je note sévèrement, eh bien, les élèves qui sont notés sévèrement, donc qui ont des moyennes en dessous les autres, eh bien, ils sont recalés, même s'ils sont meilleurs. Attention à la notation. Dans les très bons établissements, on a vu de très bons élèves, d'ailleurs, comme ils étaient notés sévèrement, qui n'avaient pas leur diplôme. Allez, merci beaucoup. Hervé, vous restez avec nous, parce que là, on a dépassé déjà de près d'une minute. On est très en retard. Et on va se faire mal noter par le dirlone, ou si ça continue comme ça. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, on parle de quoi? Dans le réquisitoire du procureur? On parle, il suffit pas d'être intelligent, il faut le montrer. Absolument. Et les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. IKEA. Mon cœur, on est bien mercredi aujourd'hui. Non, on n'est pas mercredi. T'es sûr? Bah oui. Oh non! Difficile d'attendre pour profiter des crazy mercredis dans nos restaurants. Tous les mercredis jusqu'au 28 août, les plats chauds sont à moitié prix pour les membres IKEA Family, comme les boulettes végétales à 2,97€ au lieu de 5,95€. Conditions sur IKEA.fr, crazy égale fou. Pour votre santé, évitez de grignoter. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quoi qu'on en dise, on est content de retrouver Philippe David tous les lundis. Au toile. Même si le vendredi, on se dit, oh là là, deux jours sans lui, ça va être un bonheur. Ça va, Philippe? En pleine forme, et vous? Et on est ravis de vous retrouver aussi avec ce numéro 0826-300-300. Les vraies voix, Philippe Bilger est avec nous, avec Joseph Touvenel et bien sûr Jean Dorido. Et vous, jusqu'à 19h. Dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Félix, bonsoir. Bonsoir. De quoi parle-t-on avec vous? Pas d'instrumentalisation, c'est ce que lance Emmanuel Macron. Il indique avoir proposé à la Russie de travailler ensemble contre le terrorisme. On va parler aussi du Conseil de sécurité de l'ONU qui vote pour un cessez-le-feu. C'est la première fois, pas de veto américain cette fois. Et puis de ces quatre nouvelles opérations anti-drogue ce matin en France. En trois mots, ça donne instrumentalisation, cessez-le-feu et arrestation. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et votre réquisitoire, monsieur le procureur, est qu'en politique, il ne suffit pas d'être intelligent. Oui, en fait, moi, je vais traiter mon sujet, contrairement à d'autres. Le fait que j'ai entendu hier le discours de François-Xavier Bellamy, son premier discours public, et j'ai été frappé par la qualité du fond et la multitude des bonheurs d'expression qu'il a eu. Mais je me suis dit, le problème, c'est que il n'a pas montré le ton qu'il fallait avoir dans un discours public, de sorte que c'est toujours le philosophe Bellamy qui parlait, avec un langage exemplaire, des idées très justes, mais je me demande si, par le ton philosophique qu'il a gardé, il a su donner toute leur importance au bonheur d'expression multiple dont il a usé. Trop sage, peut-être. Jean Dorido, trop sage. Je ne saurais pas me prononcer, parce que contrairement à Philippe Bilger, je n'ai pas écouté le discours de François-Xavier Bellamy. Toutefois, je remercie, je salue Philippe Bilger. Heureusement que vous êtes là pour parler des Républicains qui représentent vraiment un naufrage tragique. Ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que vous êtes inventif. Non, mais c'est un fait qu'on a quand même, bon, les Européennes, c'est bientôt, c'est au mois de juin. Ouais. Et bon, le Rassemblement National caracole en tête, la majorité
Arte fait ce qu'elle peut. Raphaël Glucksmann fait manifestement une remontée étonnante à gauche. Et puis les Républicains, bon ben là, on ne sait pas où ils sont aux abonnés absents. Donc merci Philippe Bilger de me rappeler l'existence de M. Bellamy. Ils ne sont plus que 7, effectivement. Ils font les réunions dans une cabine téléphonique. Vous avez vu qu'il a son visage de tonton flingueur, oui, là, Philippe Bilger. Oui, ils sont à 7 dans le département de l'Hérault. Joseph Touvenel. Oui, alors, Bellamy, d'abord, il a fait un travail assez intéressant au niveau européen. C'est véritablement effectivement un philosophe, mais on se demande ce qu'il fait au LR. Et la question, vous aussi, quand on regarde Éric Ciotti et Bellamy, on se demande ce que les deux font dans le même parti, où je mets le numéro 3 d'ailleurs, ils ont fait un beau coup avec Christophe Gomard, qui est quelqu'un, c'est un des seuls généraux qui s'exprimait sur les antennes, sans dire trop de bêtises sur la guerre en Ukraine. Donc ils ont fait un beau coup. Bravo de voir de réserve. Aussi. Aussi. Non mais il l'est plus. Hein. Allez. Non, il l'est plus. C'est un ex-général. Merci voilà. Messieurs. En tout cas, on sait que on les annule pour dimanche pour le poulet. Vous êtes annulés. Dorido et Touvenel, c'est fini. Allez tout de suite. On tentera des cloches de Pâques. Eh ben ils sont là. Voilà. Et les trois mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Trois mots dans l'actu qui sont Félix, instrumentalisation, cessez-le-feu et arrestation. Il faut se garder de toute instrumentalisation, lance Emmanuel Macron après les attentats de Moscou revendiqués par le groupe État islamique, la France replacée en alerte maximale. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte sa première résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, résolution adoptée avec 14 voix pour et une abstention, celle des États-Unis. Et puis quatre nouvelles opérations PlaceNet XXL contre les stupéfiants ce matin à Lille, Dijon, Sevran et Colombes. Le ministère de l'Intérieur comptabilise 187 arrestations désormais après Marseille. Les vraies voix Sud Radio. 4000 militaires supplémentaires déployés sur le terrain. La France, de nouveau en alerte maximale à 4 mois des Jeux Olympiques. La menace terroriste islamiste est réelle. Elle est forte. Elle n'a jamais faibli, lance Gabriel Attal depuis la gare Saint-Lazare à Paris. Deux attentats ont même été déjoués en France depuis le début de l'année, annonce le Premier ministre. Côté russe, Vladimir Poutine ne commente pas la revendication de cet attentat de Moscou par le groupe État islamique. Le maître du Kremlin préfère réserver ses attaques à l'Ukraine, où selon lui, les terroristes auraient eu l'intention de se réfugier après avoir fait au moins 137 morts. Attention à l'instrumentalisation, lui répond le président Macron. Il faut se garder de toute instrumentalisation ou déformation, mais être exigeant et efficace. C'est dans cet esprit-là que nous avançons et j'espère que la Russie fera de même. Il y a par ailleurs une guerre d'agression que nous avons condamnée, à laquelle nous sommes, vous le savez, profondément opposés, qui nous a conduit à prendre des sanctions contre la Russie, à soutenir l'Ukraine. Et je pense que ce serait à la fois cynique et contre-productif pour la Russie elle-même et la sécurité de ses ressortissants d'utiliser ce contexte pour essayer de retourner contre l'Ukraine. Dans un premier temps, en tout cas, les contacts ont été pris à tous les niveaux techniques et ministériels pour pouvoir proposer notre coopération compte tenu des informations dont nos services disposent et des éléments qui peuvent être utiles aux Russes. En Ukraine, justement, 10 personnes ont été blessées tout à l'heure par les débris d'un missile russe abattu au-dessus de la capitale, Kiev. Emmanuel Macron, lui, s'exprimait depuis la Guyane, département français proche du Brésil, qui a massivement voté Marine Le Pen en 2022. Déplacement depuis l'aube pour vanter les moyens supplémentaires octroyés dans à peu près tous les domaines, notamment la lutte contre l'insécurité. Il y a promis d'ailleurs, dès son arrivée à Cayenne, de combattre par exemple la pêche illégale en Guyane. Il annonce aussi des aides pour renouveler au moins 25 bateaux de pêche dès cette année. Et puis le deuxième mot, cessez-le-feu, c'est la première fois qu'une résolution qu'il réclame est adoptée au Conseil de sécurité de l'ONU. Un cessez-le-feu immédiat à Gaza en 5 mois de guerre, un tel appel avait toujours été bloqué. Cette fois, les États-Unis n'ont pas mis leur veto, ils se sont contentés de s'abstenir. Résolution adoptée donc avec cette abstention américaine et par ailleurs 14 voix pour, dont celle de la France. Son représentant permanent, Nicolas de Rivière, en appelle même à aller plus loin encore. Notre Conseil va devoir rester mobilisé et immédiatement se remettre à la tâche. Il va devoir, après le ramadan, qui se termine dans 2 semaines, établir un cessez-le-feu permanent. Il lui faudra œuvrer au relèvement et à la stabilisation de Gaza. Résolution adoptée qui exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du ramadan qui a déjà commencé donc depuis 2 semaines. Cessez-le-feu qui doit, précise le texte, mener ensuite un cessez-le-feu durable incluant la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Le Hamas comptabilise plus de 32 000 morts à Gaza dans les représailles israéliennes à ses exactions du 7 octobre dernier. Troisième mot, arrestation avec 4 nouvelles opérations anti-drogue ce matin. De nouvelles opérations PlaceNet XXL contre les stupéfiants ce matin. Après Marseille, c'est à Lille, Dijon, Sevran ou encore Colombes. Le ministère de l'Intérieur comptabilise 187 arrestations après Marseille, mais Gérald Darmanin dit vouloir aller plus loin.
Nous avons un objectif de 850 personnes à interpeller. Donc nous sommes à peu près à un quart de cet objectif si on compte Marseille plus ce qui a été fait ce matin, puisque nous avons depuis plusieurs mois travaillé avec l'ensemble des services de renseignement, des services de police et de gendarmerie, pour pouvoir mettre sous technique de renseignement, pour pouvoir suivre, pour pouvoir sonoriser un certain nombre d'objectifs de drogue que nous n'arrivions pas tout à fait à attraper, et pour faire démanteler des points de deal en intégralité. 15 000 policiers, gendarmes, douaniers mobilisés cette semaine en France sur ces opérations, a détaillé le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, dans un instant, le grand débat du jour. Près de 140 personnes tuées vendredi soir dans l'attentat à Moscou, revendiqué par Daesh. Le gouvernement français annonce la rehausse, en tout cas du plein en Vigipirate, à son niveau le plus élevé, Philippe. Alors parlons vrai. Croyez-vous que Moscou marque le retour des attentats de Daesh en Europe? Est-ce que après 2015 et 2016, la France a pris les mesures adéquates contre les attentats de masse? Avez-vous peur d'un retour des attentats en France? Et à cette question, la France redevient-elle une cible pour Daesh? Vous dites oui à 61%. Vous voulez réagir? Le 0826-300-300. Et notre invité pour en parler, Claude Moniquet, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité et ancien agent de la DGSE. Juste avant de partir en pub, Claude Moniquet, est-ce que Daesh est notre pire ennemi? Alors Daesh est notre pire ennemi, et cette menace, au-delà de Daesh, c'est l'islam radical armé, et ça durera des décennies. On en parle dans un instant. 0-826-300-300, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vrais Voix, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Philippe Bilger nous accompagne comme tous les jours, on est ravis de l'accueillir, comme Jean Dorido et comme Joseph Touvenel. Bon, même s'ils ont mal démarré, mais pour l'instant, ils sont plutôt calmés. Ça va les amis? Elle est lucide, cette fille. Oui, elle est bien. J'aime beaucoup. Philippe Bilger, mon maître. Moi aussi, j'ai l'impression de vous voir. Je l'aime beaucoup parce qu'elle dit toujours la vérité. Oui, c'est... Là, ça sent la corruption pour le qui c'est qui l'est. Oh, écoute, pas du tout. Pas du tout. Vous voulez qu'on change de place un jour, vous allez voir? Ça ne changera rien. Chiche, ça ne changera rien. Vous verrez. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. Scène d'horreur à Moscou. Une fusillade a fait au moins 60 morts et une centaine de blessés dans une salle de concert de l'ouest de la capitale. Cet attentat a été revendiqué par l'État islamique et les informations dont nous disposons, dont nos services disposent, comme nos principaux partenaires, indiquent en effet que c'est une entité de l'État islamique qui a fomenté cet attentat et l'a mise à exécution. C'est depuis, les réactions se succèdent, à commencer par Emmanuel Macron. Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution, mais avec des éléments crédibles et solides, de décider de hausser la posture de Vigipirate. Le chef de l'État a justifié la décision de rehausser le plan Vigipirate en France après cette attaque dans une salle de concert près de Moscou. Ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Il y aura une hausse des contrôles, notamment aux abords des lieux de culte, établissements scolaires et lieux publics. Donc la branche du groupe État islamique impliquée dans l'attentat de Moscou a mené plusieurs tentatives en France ces derniers mois, indique le président Macron. Le gouvernement rehausse donc ce plan Vigipirate au niveau urgence attentat. En Russie, 4 assaillants présumés ont été placés en détention provisoire avec un bilan désormais estimé à plus de 137 morts. Alors parlons vrai, croyez-vous que Moscou marque le retour des attentats de Daesh en Europe? Pensez-vous qu'en France, depuis 2015 et 2016, on a pris toutes les précautions pour protéger les Français? Est-ce que vous avez peur d'un retour des attentats en France? Et à cette question, la France peut-elle être de nouveau une cible pour Daesh? Vous dites oui à 60%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826-300-300. Et notre expert du jour, grand expert, Claude Moniquet, est avec nous, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité et ancien agent de la DGSE. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, le tour de table de nos vrais voix. On a scrupule, Cécile, Philippe, à parler de cela devant Claude Moniquet, qui heureusement est notre invité régulier. Moi, je voudrais... J'ai été frappé d'abord par... Je vais
rester dans le sujet, je l'espère un petit peu, c'est le fait que, bien sûr, beaucoup de dictateurs ne tiennent pas compte des avertissements qui leur sont donnés, et Poutine n'a pas manqué à cette défaillance, puisqu'il avait été prévenu par les Américains, et il a considéré que c'est, évidemment, c'était une manipulation. Donc, ce mélange, et donc, je comprends bien pourquoi il est fondamental pour lui de dire que l'État islamique n'est pas celui qui a commis ses erreurs à Moscou. Deuxième élément, la conséquence, j'allais dire, tristement bienfaisante de ce qui s'est passé à Moscou, c'est que le degré de protection française va s'amplifier et que des attentats ont déjà été déjoués et que je fais confiance, bien sûr, à nos forces d'autorité pour éviter le pire lors des Jeux Olympiques, en ayant conscience, comme on l'a dit lors de la suspension, que malheureusement, quelqu'un qui veut mourir peut commettre le pire. Joseph Tounel. Il y a deux risques. Il y a un risque externe, c'est Daesh, mais le risque interne, il existe, il est permanent, parce que les attaques au couteau, ça s'est pas arrêté il y a quelques mois ou quelques années, et on en a beaucoup. Le risque externe, c'est aussi le risque qu'on a sur les frères musulmans, qui, eux, mettent un euro dans la machine tous les jours ou toutes les minutes pour former des gens, pour leur laver le cerveau, pour qu'on ait des attaques terroristes. Après, nos services font un excellent travail, mais il y aura forcément des trous. On ne peut pas tout prévoir. On peut lutter, on peut essayer de désorganiser. On a des accords avec d'autres pays, et c'est bien, y compris avec les services russes. Nos accords avec les Russes vont encore se renforcer sur la lutte contre le terrorisme, et tant mieux. Mais on sait qu'il n'y a pas de garantie absolue. Jean-Laure Rideau. Oui, j'aurais une question en réalité pour notre invité. C'est que, bien sûr que le risque d'attentats et d'attaques terroristes islamistes n'a jamais vraiment baissé. En revanche, c'est un fait que Daesh, l'État islamique, n'existe plus. Il a été décapité, je dirais. En Irak et au Levant. Par les forces alliées. Et du coup, là, on a une revendication sur l'attentat de Moscou de Daesh. Et j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir une idée de ce que ça représente aujourd'hui en termes de moyens. On sait que projeter un attentat à l'extérieur, ça demande de gros moyens. L'attentat du 13 novembre chez nous avait été préparé de très longue date. Et j'aimerais savoir si on peut évaluer aujourd'hui quels sont les moyens d'Aïs. Ils avaient beaucoup d'argent avec le pétrole. Et où est-ce qui dirige aujourd'hui et quels sont leurs moyens? Alors, Claude Moniquet, Daesh avait été éradiqué en Irak et au Levant. Maintenant, on parle de Daesh au Khorasan. Le Khorasan, c'est aux confins de l'Iran, de l'Afghanistan, etc. Est-ce que c'est devenu la nouvelle base centrale de Daesh? Et est-ce que Daesh peut ressusciter, on ne le souhaite évidemment pas, en Syrie, en Irak ou ailleurs? Mais Daesh n'est jamais mort. Daesh, ça a été deux choses. Ça a été d'une part le califat avec sa territorialité, Syrie-Irak, une grosse domination sur une grande partie de ce territoire, de ces deux territoires au Moyen-Orient. Mais c'était aussi une idée, celle du djihad. Ils avaient pris la suite d'Al-Qaïda dans la promotion du djihad internationaliste. Et ils ont eu l'intelligence, quand ils avaient cette domination sur la Syrie et l'Irak, de créer ce qu'ils appelaient les vilayats, les provinces. Ils en ont créé en Asie du Sud-Est, ils en ont créé en Afghanistan, le Khorasan. Ils en ont créé en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, ils en ont créé dans le Sahel, et aujourd'hui, ces organisations, aujourd'hui que le califat lui-même a disparu, ces organisations sont toujours porteurs de l'idée et dépositaires, je dirais, du programme, et probablement d'une partie des fonds. On estime que la fortune de Daesh à son apogée, c'était à peu près 3 milliards de dollars, et tout n'a pas disparu dans les incendies du quartier général à Raqqa ou à Mossoul. De l'argent à transiter. On sait aussi que des combattants sont partis. L'EIK a été créé, entre autres, par des gens qui venaient de Syrie et d'Irak vers 2016-2017. L'EIK, c'est l'État islamique au Khorasan, je le rappelle. Oui, tout à fait. Tout ça fait qu'effectivement, cette organisation n'est jamais morte. Et aujourd'hui, après effectivement une longue période, quand même de 2017 à aujourd'hui, enfin à vendredi, où on était confronté uniquement à des attaques avec des moyens, de petits moyens, mais quand même létaux, attaques au couteau, voitures bélier, etc.,
par des sympathisants de Daesh, dont certains n'étaient pas tous très équilibrés d'ailleurs. Aujourd'hui, effectivement, on a le retour de la menace structurelle, de la menace de commandos projetés, lourdement armés, et qui sont arrivés à faire environ 150 morts dans une des capitales les plus surveillées d'Europe. Et c'est évidemment un très très mauvais signal. Vous avez peur d'un retour des attentats de Daesh? Vous pensez que nous sommes protégés? Appelez-nous au 0826-300-300. Philippe Bécher. À votre avis, Claude Moniquet, bien sûr, j'ai eu l'occasion de voir un reportage hier soir qui montrait à quel point Daesh n'avait aucun mal à recruter parmi les catégories les plus pauvres des pays. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous avez la certitude ou l'impression que derrière l'État islamique, il y a un dessein très structuré, très programmé sur les lieux d'attentats, les pays atteints? On voit bien pourquoi la Russie de Poutine a été attaquée, on peut le voir. Mais est-ce qu'à votre avis, il y a un plan général ou est-ce qu'il profite d'opportunités par exemple, dans les pays où n'importe qui peut se constituer comme tueur avec un couteau? Ou est-ce qu'il y a les deux, une organisation générale et des criminalités individuelles? Je dirais qu'il y a les deux. Alors, avec la chute du califat, ce qui a disparu, c'était la superstructure de Daesh. Daesh, ça a été un État. Ils avaient une administration postale, un ministère de l'enseignement, un ministère des affaires religieuses, des gardes frontières, un service de police, un service de renseignement et un État-major qui réfléchissait. Ça a disparu. Ou en tout cas, ça s'est dispersé dans les différentes vilayats. Donc, il y a des vilayats comme celles qui sont actives en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? Les vilayats, c'est quoi exactement? Ce sont les provinces. Les provinces. Ok. Donc, ils ont créé ce qu'ils appellent des provinces, ils appellent ça des vilayats, pour répandre l'idée du califat et pour créer un espèce de califat mondial. Or, ceux qui sont présents en Afrique de l'Ouest et de l'Est, pour le moment, ont essentiellement des visées régionales. Et d'ailleurs, ils s'en tirent très bien. Il faut voir ce qui se passe au Mozambique, ce qui se passe dans le Sahel, etc. Le IKA, c'est autre chose. Donc, l'État islamique au Khorasan, ce qu'on appelle la branche afghane, mais improprement, parce qu'en fait, ça couvre un immense territoire. Le Khorasan, c'était une ancienne province perse qui allait de l'Iran à l'Afghanistan, en passant par le Pakistan, l'Asie centrale. Donc, c'est un territoire immense. Et eux, fatalement, avec ce territoire immense, ont beaucoup plus une vision et des visées beaucoup plus larges et se trouvent très rapidement en affrontement direct, d'une part avec la Russie et demain avec l'Europe. Jean Dorido. Oui, je vous entends parler de Vilayat, je vous entends parler de l'EIK. Il y avait, vous l'avez très justement rappelé, toute une structure de l'État islamique à l'époque du califat, à l'époque d'Abou Bakr al-Baghdadi, avec des cadres précisément qui savaient faire du recrutement, qui savaient former des apprentis terroristes, qui savaient les entraîner. On avait connu ça jadis sur d'autres sujets avec des camps d'entraînement au Yémen ou autre. Là, on avait vraiment, j'ai envie de dire, presque une intelligentsia terroriste internationale qui était très structurée. Et quand je vous écoute, j'ai le sentiment que l'EIK, c'est encore à part des vilayats existants actuellement. Et j'aimerais réussir à comprendre que représente aujourd'hui la filière. Sur le recrutement, typiquement, on a parlé en France du Trappistan, par exemple. On avait à Trappes des jeunes qui partaient en Syrie. Pour s'entraîner, pour devenir terroriste. Est-ce qu'aujourd'hui, on a ce genre de filière qui, je dirais, serait réactivée avec cette espèce de regain de Daesh? Claude Moniquet. Alors, aujourd'hui, effectivement, les circonstances ont changé. C'était assez facile de gagner, de gagner la Turquie et puis de la Turquie de passer en Syrie et en Irak. C'est plus difficile de se rendre en Afghanistan ou de se rendre dans certaines zones africaines. Donc, on n'a plus cette attractivité, et c'est moins attractif. Parce que l'État, le grand État islamique, a disparu. Donc, mais ils n'ont plus ce besoin, parce qu'ils ont une... pardon, j'ai un téléphone qui sonne et que je vais empêcher de sonner. ils ont, je veux dire, le IKA a
une à ses propres combattants, c'est à peu près entre 4 et 7 000 combattants, le ICA, qui sont extrêmement bien formés, dont certains sortent des rangs des talibans, donc ont combattu les Américains et les Français et les Anglais pendant 10 ou 15 ans. Il y a des volontaires étrangers venus à l'époque de l'Irak et de la Syrie, et ils ont récupéré aussi des capacités. Je prendrai un seul exemple, l'attentat de vendredi a été revendiqué via les canaux traditionnels de Daesh, y compris l'agence Hamak. L'agence Hamak, dans le temps, elle était à Raqqa. Donc, elle a manifestement peut-être été détruite physiquement, ces murs n'existent plus, mais les gens qui l'animaient existent toujours, et manifestement, qu'ils soient là-bas ou pas, sont liés à l'État islamique au Khorasan. Donc, depuis que j'étudie, ça fait 40 ans à peu près que je m'intéresse à ces mouvements, depuis que je les étudie, ce que j'ai remarqué, c'est la résilience, l'énorme capacité de résilience de la sphère djihadiste et sa capacité à s'adapter de manière opportuniste, comme le disait Philippe Bilger, à de nouvelles situations. Juste avant de donner la parole à Hervé d'Anthony, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait nous reprocher, nous, Français, aujourd'hui ? Ben, d'être français déjà. D'être français. Ouais. Nous sommes en guerre, ou plus exactement, l'islam radical est en guerre avec nous depuis 40 ans. Oui. Je vous rappelle le détournement de l'Airbus, enfin 30 ans en tout cas. Non, mais par rapport à ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie, est-ce qu'il y a un stade supérieur qui est passé ? Non. Ils ont plusieurs ennemis. La Russie est un ennemi régional parce que la Russie contrôle l'Asie centrale et que l'État islamique veut s'implanter et augmenter son implantation, l'élargir en Asie centrale. Mais nous restons un ennemi parce que nous sommes un pays laïque qui opprime à leurs yeux les communautés musulmanes et qui fait la guerre à l'islam depuis 40 ans. En fait, il marche dans les pas qui ont été ceux du GIA algérien, d'Al-Qaïda, Et d'autres groupes qui leur ont succédé. Allez, un petit... Le communiqué de Daesh est très clair. Ils s'en prennent pas à un État laïque, ils s'en prennent aux chrétiens. Parce que, à ma connaissance, les Russes, c'est pas un État laïque. Donc, Daesh a dit, on s'en prend aux chrétiens. Donc, tous les chrétiens du monde, notamment en Afrique, où ils sont très, très touchés, peuvent être touchés par Daesh. Allez, une petite réaction d'Hervé, d'Anthony. Hervé, vous êtes avec nous. La géopolitique, c'est intéressant. Je crois que vous oubliez l'essentiel, c'est-à-dire l'idéologie sur quoi s'appuient ce qu'on appelle les djihadistes, parce que je vous rappelle que le djihad, ça veut dire la guerre sainte, que c'est un concept qui a été forgé par l'islam, que quand vous dites islam politique, je crois que c'est y a rien de plus stupide de dire islam politique, puisque l'islam a toujours été politique dans la mesure où quand Mahomet et ses armées, si vous voulez, ont pris le pouvoir, ils ont installé un état historique. Donc, ce que vous appelez les djihadistes, ils ne sont puissants que par leurs mots, leur vocabulaire que vous reprenez. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on ne voit pas que pour pouvoir lutter vraiment contre le djihadisme ou le terrorisme islamique ou islamiste, il faut faire une critique des textes, il faut faire une critique comme les philosophes du XVIIIe siècle ont fait une critique du christianisme. Tant qu'on ne fera pas la critique, si vous voulez, de l'islam historique, on n'y arrivera pas, bien évident, parce qu'il s'appuie là-dessus sur des idées assez simples et assez simplistes pour pouvoir enrôler les futurs djihadistes. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup Claude Moniquet d'avoir été avec nous. Merci. Président du Centre européen pour la recherche stratégique et la sécurité, ancien agent de la DGSE, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, le quiz de l'actu avec Philippe Bilger, avec Joseph Touvenel et avec Jean Dorido, et ben ça promet, hein, je vous le dis tout de suite. Et Hervé sera avec nous d'Anthony, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David tous les jours de 17h à 19h. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous vous écouter. Merci beaucoup pour cela. C'est aussi grâce à Philippe Bilger, sa présence quotidienne, président de l'Institut de la Parole. Quel bonheur. Surtout que je sais toujours qu'il faut que je me batte pour le Kikadi. Là. Ouais. Ah, tiens. Et souvent aussi grâce à la présence de Joseph Touvenel et à celle de Jean Dorido. Mais... régulièrement, les vraies voix. Hein Joseph fait équilibre. On est à fond là, on est concentré déjà. Derrière, il y a une gentillesse et il n'y a pas de... Non, mais on attend. Et Hervé qui est avec nous, qui nous appelle d'Anthony. Oui. Par politesse pour son grand âge, on laisse évidemment Philippe gagner. Ouais, il apparaît que l'État hystérique. Oulala, ça va gueuler là, je sens. Allez tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu.
l'actu. Alors Hervé, c'est vous qui répondez en premier à la question. Si vous n'avez pas la bonne réponse, enfin si vous n'avez pas la réponse, ou en tout cas ce sera aux autres de répondre à votre place. Bien question, bien qui sûr. C'est qui l'a dit? Et ça vaut 3 points. Il faut réduire en partie les dépenses sociales. Hervé. Attal? Non. Le maire? Non. Non. Il a dit ça l'autre jour. Allez-y. Béraud? Non. Non. C'est une femme. C'est une femme. Une présidente. Yael Braun-Pivet. Bonne réponse, il a été plus rapide. Jamais dit Gaël. Non, non, vous avez dit Blanc. Jean Dorido, 3 points. Ah, il l'a dit. Merci. Donc, j'avais dit Gaël. Il l'a dit. Ben, il a dit Gaël. Oui. Yael Braun-Pivet. Il a dit Gaël. Pas Gaël. Non, il a dit Yael. Non, il a dit Gaël. J'ai dit Yael. Question à 2 points. C'est pas possible. Non, mais excusez-moi, je fais un arrêt pipi. Mais. Non, il a dit Gaël. Oui, il a dit Gaël. Il a dit Yael. Non, il a dit Gaël. Non, il avait dit en premier de toute façon, Jean Dorido. Non, mais excusez-moi, envoyez-moi la vidéo, c'est plus possible. Question à 2 points. Qui c'est qui l'a dit sur les photos d'Emmanuel Macron faisant de la boxe? C'est d'un narcissisme absolu. Hervé. C'est d'un artifice absolu. D'un narcissisme absolu. Narcissisme. J'ai aussi. C'est un maire. Je vois pas, là. Hervé, vous avez c'est pas c'est un maire? Oui. Ouais. Le maire de Lyon? Non. David Lisner? Non. Non. Moi, je l'ai dit, hein. Allez-y. Non, c'est... Personne ne sait. Édouard Philippe? Non. 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 C'est non. Un ancien RN. RN? Ah non, oui, mais ancien. Oh, Louis Alliot? Non. 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 Il est toujours RN. RN. Un ancien RN. À Béziers. Ah ben, non. Philippe Bilger, voilà, vous l'avez donné. Merci, ma chère Cécile. Ménard n'est pas RN. Un ancien RN. Ah oui, oui. Bah, mais il a pas donc 3 points. Il n'a jamais été en charte. Attendez que je vous plaisante. C'est valable. Attends. 3 points. Arrêtez, sinon je fais évacuer la salle. Allez, une question. Qui c'est qui l'a dit 3 points? Produire des chars franco-allemands sur le sol ukrainien, c'est être plus efficacement possible aux côtés de nos amis ukrainiens. À 3 points. À 3 points? Oui, Hervé. Bah, c'est pas Macron, non. Non, non. Elle fait de très grandes phrases, cette elle dame. Elle fait de très grandes phrases, oui. Elle... Très longue. Oui. Elle. Elle sera bientôt tête peut-être de liste européenne. Ah bah, hier. Qui ça? Ailleurs. Elle est ailleurs. Elle est 3 points. Points. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, Hervé? Nous tiendrons tête à Total pour faire la transition écologique. J'ai. Hervé. Allez. Jadot? Non. Non. Luxman. Bonne réponse de Jean Dorido. Raphaël Luxman, tête de liste PS Place Publique. Bon. Allez, écoutez bien, Hervé, peut-être pour vous. Allez, 2 points. Qui c'est qui l'a dit en France? Il n'y a pas une crise migratoire, il y a une crise de l'accueil. Voilà. C'est beau. Ouais. Hervé. Ça, c'est une phrase qui plaît à Jean Dorido. C'est beau, mais c'est faux, oui. L'embauchat. Benoît Aubry. Non. Non. Pas mal. Le même parti. Même parti. Le même parti. Bonne réponse. Bompard. 2 points. Oh là là. Bon, Jean Dorido. Oui, mais. Mon pauvre Jean. Lequel Hervé. Emmanuel, bien sûr. Ah, Emmanuel, vous avez parlé de la FNAC. Hein. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? On nous avait vendu le gouvernement comme des super-héros de l'économie. Ce sont surtout des super-tocards. Hervé. Super Tocker. Ah, ça. Bardella, ça, non ça, non, c'est le même parti. Il est vice-président. Bonne réponse de Philippe Bilger. 3 points. J'ai pas entendu. Deux. Ah, Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. C'est ça. Allez, la dernière. Qui c'est qui l'a dit? Ça vaut 2 points sur la dette. Si on m'avait écouté en 2007, on ne serait pas là aujourd'hui. Le maire? Non, Bayrou. Bonne réponse de Philippe Bilger. Le trou est fait. Allez, et les résultats? 9. 8, 0, 0. Et c'est Philippe Bilger qui gagne d'un point. Vous savez qu'on fait de la radio. La modération dans laquelle j'accueille le succès. Et bravo, Philippe Bilger, vous pouvez applaudir. Et Cécile ne m'a absolument pas aidé pour Ménard. Ce que j'apprécie profondément chez vous, c'est que vous avez le succès modeste, Philippe Bilger. Ça, c'est tout à votre honneur. Je ne saute pas, je ne jette pas. Et notre ami d'Artigol, je ne bondis pas en l'air. Il en fait des caisses. Hervé, merci. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Il n'y a pas de quoi, c'est difficile comme j'ai trouvé. Ouais, je sais, c'est difficile. Mais l'important,
L'important, c'est de participer. Hein, voilà. Exactement. Voilà, voilà. En tout cas, on était très heureux de vous avoir. Merci d'avoir joué et d'avoir participé à cette émission avec nous. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Et on parle de quoi avec Philippe Bilger? L'ascenseur social fonctionne encore, contrairement à ce qu'a dit quelqu'un tout à l'heure. Et bien, justement, on lui pose la question. On parle de quoi, Jean Dorido? On parle des ravages du trafic de cocaïne sur le port du Havre. Et avec vous, Joseph Touvenel. Les victimes du terrorisme dont on parle peu, voire jamais. Allez, on en parle dans un instant. Tout les ça, c'est pour vous. 0826 300 300. Les victimes du terrorisme. Après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-20h. Philippe David. Cécile Dominibus. Et on est ensemble jusqu'à 19h, les vraies voix tous les jours de 17h à 19h avec Philippe Bilger. Bien entendu, aujourd'hui c'est Joseph Touvenel et notre ami Jean Dorido. Et vous au 0826 300 300. Dans un instant, Félix Mathieu, de quoi parle-t-on? On va partir au Royaume-Uni, un pays qui décidément n'en finit pas de se faire du souci pour sa famille royale après l'annonce du cancer de la princesse Kate à l'âge de 42 ans. Samedi soir se jouait à Lyon un match de football France-Allemagne. Un match amical, même si un France-Allemagne n'est jamais totalement amical, vu l'histoire entre les deux pays. Un match marqué par des lettres de sang le 13 novembre 2015. Les actions terroristes de ce jour maudit ayant commencé avant d'aller vers les terrasses des cafés, le Bataclan, par le Stade de France où se jouait un France-Allemagne. On aurait pu imaginer, vu le carnage terroriste de la veille au Crocus City Hall de Krasnogorsk, dans la banlieue de Moscou, qu'une minute de silence serait respectée en hommage aux victimes. Mais non, comme s'il ne s'était rien passé la veille, les hymnes ont été joués, les capitaines ont échangé les fanions et l'arbitre a donné le coup d'envoi. Pourtant, près de 150 personnes ont perdu la vie. Lorsque la France a été frappée le 13 novembre 2015, le monde entier a porté le deuil. De Moscou à Johannesburg et de Buenos Aires à Melbourne, il aurait été de bon aloi, à mon avis, de rendre hommage aux victimes comme les Russes avaient rendu hommage aux victimes françaises. Une minute de silence qui n'aurait en rien signifié un soutien à Poutine, mais qui aurait marqué la douleur et le soutien du peuple français pour le peuple russe, victime à son tour de la barbarie terroriste. Des Russes qui, après le 13 novembre 2015, avaient bombardé Daesh en peignant sur leurs bombes « Zaporizhzhia » pour Paris, tandis que les Américains et les Britanniques avaient peint « From Paris with Love », allusion au James Bond « Bon baiser de Russie » sur les leurs. On dit qu'il y a des silences qui disent plus que des paroles. J'aurais franchement aimé ne pas devoir écrire ces mots pour dénoncer une absence de silence. Oui. Philippe Bilger. Si. Je ne sais. Là, je comprends l'indignation, mais tout de même, il faut tenir compte aussi du fait que lorsqu'on a appris ces massacres à Moscou, il me semble que beaucoup de gens ont eu, non pas une satisfaction, mais ont dit « ça peut arriver à Poutine aussi ». Et après, on a déploré. Je peux comprendre un petit peu l'hésitation. Je serais moins brillamment péremptoire que vous, mon cher Philippe. Le problème, c'est que c'est pas arrivé à Poutine. C'est arrivé à 137 personnes, dont des enfants qui sont pour rien. Au moins 3. Moi, j'ai en mémoire, quand il y a eu l'attentat à Bruxelles et les 32 morts, il y avait un match au Stade de France, France-Russie, et il y a eu une minute de silence. Les Russes ont fait cette minute de silence pour les victimes du terrorisme. Nous, on n'a pas été capable de le faire. Je trouve, comme Philippe, que c'est lamentable. Oui. Jean Dorido. Oui, non, clairement, c'est vrai que c'est un loupé. Alors, on peut mettre ça sur le compte peut-être de la sidération, sur le compte de... C'était 24 heures après, quand même. Oui, donc, on avait le temps de réfléchir. C'est pas le soir même. C'est regrettable. C'est plus que fâcheux, oui. Oui. Allez, direction l'Angleterre, avec vous. On va revenir sur cette annonce qui choque forcément le Royaume-Uni. La princesse de Galles, Kate, l'épouse du prince héritier William, annonce être atteinte d'un cancer à l'âge de 42 ans. Bonsoir, Maximilien Nagy. Bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, journaliste franco-britannique. Alors, la dernière fois, Maximilien, qu'on vous a parlé ici même dans Les Vraies Voix, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était après l'annonce du cancer du roi Charles III. Ça commence vraiment à faire beaucoup de mauvaises nouvelles pour les Britanniques et leur famille royale. Oui, absolument. Beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup d'inquiétudes. Et je crois que l'inquiétude était encore plus vive, la surprise était encore plus vive lorsque Kate, qui n'a que 42 ans, elle est jeune. Donc en principe, on pense qu'à 42 ans, bon, on a moins de chances d'avoir un cancer qu'à 75. À 42 ans, elle annonce avoir un cancer. Alors, elle a expliqué que c'était un cancer dans une phase très prématurée. Probablement que ce n'est pas très grave pour l'instant. Elle a un cancer chimiothérapique préventif. On espère que ça ne s'aggravera pas, mais l'inquiétude est palpable et la colère est palpable aussi, notamment pour toutes les théories complotistes
qui ont déferlé sur les réseaux sociaux, et on soupçonne la Chine, on soupçonne l'Iran d'être derrière, et la Russie aussi d'être derrière, beaucoup de faux comptes qui ont relayé des théories complotistes. En tout cas, il y a une vraie colère, mais aussi, et c'est ça qui est remarquable, un élan d'affection renouvelé des Britanniques envers la princesse, qui est la princesse héritière, il ne faut pas l'oublier. Quelle dignité, c'est... Philippe Bilger. Ah oui, moi j'ai été de toute façon dans l'idolâtrie de Kate. Je trouve qu'il y a peu de femmes qui étaient aussi remarquables qu'elle. Je mets à part, évidemment, vous, ma chère oui, Cécile. Oui, bien sûr. Son altesse et bien sûr, toutes les femmes qui sont ici. Mais c'est terrible de voir ça. Et quand on voit... Et puis, je peux vous faire un compliment, ma chère Cécile, mon cher Philippe. Je croyais que j'allais encore une fois voir Stéphane Bern. Heureusement, c'est Maximilien. Ça me fait plaisir. Félix Mathieu. Oui, parce que c'est merci vrai que Philippe. Vous y faisiez allusion, Maximilien, à cette opération transparence de la princesse Kate. Pour autant, ça suffit pas à faire taire les rumeurs. Les gens se posent des questions sur quoi, sur la gravité de la maladie. Des fois, que ce serait plus grave que ce qu'elle a pu laisser entendre ou dire. Alors, c'est très difficile à savoir. Hein, c'est un point qu'il faut vraiment souligner. La qualité et parfois c'est un défaut de la famille royale, c'est qu'ils savent très bien. Ne pas dévoiler l'extrême, enfin ce qui peut être plus ou moins grave dans sur les questions de santé en particulier. Donc c'est une qualité et en même temps, je pense que ils savent communiquer d'une manière à ce que ils disent suffisamment pour rassurer. Et je pense que si les choses s'aggravent, eh bien les journalistes entre autres vont s'en douter et ils seront contraints presque d'une manière ou d'une autre de dire plus de choses si c'est nécessaire. Parce que vous parliez effectivement de ces rumeurs, du complotisme. Ça a été alimenté ça par la polémique de la fameuse photo de famille retouchée. Bon, ça paraît pourtant un peu dérisoire après coup, depuis qu'on a eu entre-temps l'annonce de son cancer. Oui, absolument. Ça paraît dérisoire. Les Britanniques sont justement furieux parce qu'on a fait une telle affaire de ça. Et c'est vrai que c'était un événement malheureux parce qu'on attend toujours, et c'est toujours la difficulté, on attend de la famille royale qu'elle soit parfaite. Il faut qu'elle présente un visage rayonnant, toujours exemplaire. Elle fait pas toujours parfaitement les choses. Et même une très grande photo de famille où la reine Elisabeth était avec ses enfants et ses petits-enfants, on a redécouvert a posteriori, il y a quelques semaines, qu'elle aussi avait été retouchée. Pourtant, elle a beaucoup plu, tout comme la photo pour la fête des mères, donc avec Kate et ses trois enfants, a beaucoup plu aussi. Donc, bien sûr que ça paraît très dérisoire et je dirais que c'est là où s'exprime la colère des Britanniques. On a fait une telle affaire alors qu'il y avait un cancer derrière. Il y a eu un manque de compassion évident. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Maximilien. Merci à vous. Journaliste franco-britannique, merci d'être passé dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci beaucoup, Maximilien. Dans un instant, les trois tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix avec Philippe Bilger, par exemple. L'ascenseur social existe encore en France. Jean Dorido. Un docker a été enlevé et tué en 2020 au port du Havre et on ne sait toujours pas qui a fait le coup. Joseph Touvenel. Ah, il y a des victimes du terrorisme dont on ne parle jamais. Oui, ben on en parlera grâce à vous. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. Petite pause, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est très heureux de vous accueillir et de vous avoir. Philippe David est très heureux ces derniers temps et on est très content parce qu'il est très en forme. Vous êtes en forme. Toujours Philippe en forme. Quand on fait Les Vraies Voix, c'est tel régal. Il est très parfait. Heureux. Je crois que c'est vraiment très très heureux. Oui. Il est vraiment très heureux. Vraiment très heureux. Ça va très bien. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, ça va. C'est bien d'avoir des gens heureux autour de cette table. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Allez, avec nous, donc Joseph Touvenel, avec nous, bien entendu, Philippe Bilger et Jean Dorido, qui est à ma droite. Je ne savais plus qui était l'un et qui l'était l'autre. Et tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Buenas tardes, amigos. Vous avez une petite blagounette, tiens, qu'on m'a raconté ce week-end. Mais non. Qu'est-ce que c'est qu'une douche sans eau? Je sais même plus. Bah, une douche. J'ai rien compris. Le tour de table. De l'actualité. C'est drôle. Merci à Maxime. Ça c'est bon, ça c'est bon. Qui remplace le mec qui est en vacances d'avoir ressorti ce il est fort aussi. Ça c'est le drôle, Maxime. Ça c'est des douches. On donne tout de même des.
On a des scrupules à parler d'un sujet sérieux devant une telle élévation intellectuelle. Franchement, je suis impressionné. Je vais pas parler. Alors, au moins 3 ans, mais bravo Maxime. Il a réussi. Vous voulez dire que l'ascenseur social n'est pas arrêté, contrairement. Vous voulez me faire connaître une bûche? Non mais. Pardon, alors, excusez-moi. Le sujet que je vais traiter extrêmement rapidement n'est apparemment pas drôle, mais on avait tendance à dire, ma chère Cécile, que la crise de l'immobilier, l'éducation nationale et la stagnation du pouvoir d'achat avaient complètement enquisté les catégories sociales en France, réellement, et on s'aperçoit que ça n'est pas aussi net que cela, que les frontières sont plutôt mobiles, et que par exemple, lorsque il y a deux catégories, une catégorie aisée, une catégorie plus modeste d'employés et d'ouvriers, eh bien, c'est vrai que dans les premières années, il y a une inégalité, évidemment, au bénéfice de la catégorie favorisée, mais qu'au bout de quelques années, ça peut se renverser. Et donc, Jean, j'ai l'article sous les yeux. Si mon propos un peu troublé par la qualité intellectuelle que j'ai entendue grâce à Maxime, vous ne vous a pas convaincu, je le laisserai à votre disposition. Ah, avec plaisir, mon cher Philippe. Écoutez, comment dire, la France reste un pays, hélas, après l'Inde, sans doute le plus abouti en matière de caste. On l'a vu encore il n'y a pas très longtemps avec l'affaire de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale et les passe-droits dont elle a usé pour que des membres de sa famille accèdent à un enseignement privé. Et c'est une réalité. Nos aïeux ont connu la France de la Troisième République avec le succès de l'école républicaine qui sélectionne justement les meilleurs esprits, qui pratiquent précisément la méritocratie. Et c'est quelque chose, et ça, je lirai avec plaisir votre papier, c'est quelque chose, si vous voulez, qui, hélas, se confirme dans les faits quand vous regardez la proportion d'enfants issus de milieux modestes dans nos grandes écoles d'ingénieurs, par exemple, Polytechnique, Arrêt Métier, Ponts et Chaussées, etc. Eh bien, la part se réduit de plus en plus, et c'est extrêmement fâcheux, parce que, précisément, la République, elle est là pour permettre à chacun, quel que soit son milieu, sa condition, sa religion, ses origines, eh bien de pouvoir donner le meilleur qu'il a en soi. Je vous laisse tout venir. Alors, je n'ai pas bûché le sujet, j'en suis désolé, mais je vais essayer de me rattraper quand même. D'abord, il y a un phénomène qui n'a pas été indiqué, c'est le phénomène de l'immigration. Et ce n'est pas neutre dans le blocage social, parce que quand on a des populations qui arrivent, dont une part importante ne savent pas lire, pas écrire, pas comprendre, ne comprennent pas le français, et qui sont dans des classes où on stagne, parce que la majorité parle d'autres langues que le français, on comprend que l'ascenseur social, il soit bloqué. Dans le même temps, nous sommes dans un pays, on n'est pas dans le pays le plus bloqué, loin de là, on a évoqué l'Angleterre, s'il y a bien un pays européen de caste, c'est bien l'Angleterre, hein. Quand vous faites partie en Angleterre des proches de la couronne, c'est les proches de la couronne, de la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie, et quand vous êtes les classes populaires, c'est les classes populaires, il n'y a pas beaucoup d'ascenseurs. Comme en France. Non. Attends, en France, on a la possibilité de passer par des études. Alors peut-être un peu moins qu'avant, parce qu'il y avait l'examen, il y avait le diplôme qui permettait d'accéder, et aujourd'hui, la dévaluation des diplômes et des examens permet moins à cette classe populaire d'accéder à d'autres fonctions. Allez, Jean Dorédo, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps sur ce plan XXL du ministre de l'Intérieur. Oui, précisément, voilà, le ministre de l'Intérieur lance ce plan aujourd'hui, et le Parisien aujourd'hui en France, sur sa une, rappelle une terrible affaire. Un docker, Alan Afagar, qui a été enlevé devant chez lui en 2020. Il rentrait d'une soirée chez des amis, il était 2h du matin avec sa compagne, et des individus l'ont enlevé, l'ont kidnappé. Il a été retrouvé mort sur un parking, et aujourd'hui on a deux personnes qui sont jugées
pour l'enlèvement, mais pas pour le meurtre. Le juge, ma foi, et la justice a statué, il n'était pas responsable du meurtre. Mais la famille de ce docker décédé se demande à ce moment-là qui est responsable de ce crime. Et en fait, c'est très très compliqué parce que les trafiquants de drogue ont tellement d'argent qu'ils réussissent à gangréner en l'occurrence le port du Havre. On a vu à Canteleu, en Seine-Maritime, à quel point une municipalité entière peut finalement se retrouver sous la coupe de familles mafieuses tellement enrichies par le trafic de drogue, et c'est un vrai souci pour notre pays. Philippe Bilger, je crois que 2,7 tonnes la semaine dernière de cocaïne saisie dans le port du Havre. Quand même. Absolument, j'en avais entendu parler de l'affaire dont vient nous rendre compte Jean, c'est terrible pour la famille, cette vérité risque de demeurer inachevée en réalité, c'est terrible. Joseph, et l'argent et la violence, ce sont les deux. Mmh. C'est-à-dire que la menace physique, c'est la preuve. C'est effrayant. Rappelons-nous ce qu'a dit cette juge sur Marseille récemment, en disant que Marseille était totalement gangrené par le trafic de drogue. Et les types, les dockers, reçoivent des messages d'intimidation sur WhatsApp, avec des photos de leurs enfants, on leur dit on sait où ils vont à l'école, etc. Enfin, des pressions absolument phénoménales pour les forcer à faciliter l'accès au port des trafiquants internationaux. Ouais, c'est un vrai sujet. Hein. C'est très important d'en avoir parlé. Merci beaucoup. Dans un instant, avec Joseph Touvenel, on va revenir sur ces victimes oubliées du terrorisme, notamment en Afrique. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez choisi la bonne maison, la bonne radio. Sud Radio vous accompagne dans tous les territoires. Vous aimez, bien entendu, les vraies voix. Vous aimez que ça discute, ça cacote, ça caquette dans tous les ça sens. Cacote. Et oui, ça cacote. Vraiment. Oui, c'est ça cacote, mais pour les filles. Non, mais tant que ça cocote pas. Bon, faut que je vous parle, Philippe. Cécile est mal placée. C'est sûr. Avec Philippe Bilger, avec Joseph Touvenel et Jean Dorido sur le tout de table de l'actu des vraies voix. Et Joseph Touvenel, une pensée pour les victimes oubliées du terrorisme. Oui, oubliées ou quasi invisibles. Oui. Par exemple, il y a moins d'un mois, au Burkina Faso, 15 morts dans une église par des terroristes islamistes. Ça passe sous les radars. Selon l'indice mondial du terrorisme, ces 15 dernières années, dans le territoire, en gros, du Sahel, plus de 23 000 victimes du terrorisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. C'est plus de 23 000 victimes du terrorisme islamiste. Bien dans le micro, Joseph. Et puis, il y a la grande cohorte, la sombre cohorte de ceux qui sont victimes et dont on ne parle pas parce que, j'allais dire malheureusement, ils ou elles, d'ailleurs, très souvent, sont toujours en vie. C'est tous ceux qui sont enlevés. Je pense par exemple aux femmes yézidis qui sont enlevées. On le voit, qui sont réduits officiellement en esclaves sexuels. Imaginez ce que ça veut dire, esclaves sexuels. On voit des gamines de 8 ans, esclaves sexuels. C'est à vomir. Horrible. C'est aujourd'hui, on en parle quasiment jamais. Et comment penser également au 7 octobre, hein, oui. À tous ceux qui ont été enlevés dont on n'a aucune nouvelle. Là aussi, c'est des victimes permanentes. Vous imaginez la souffrance des familles tous les jours. C'est une torture permanente. Hein. Et en fait, ce qui fait la différence, je crois, entre la barbarie et ce qu'on peut être un être humain, la grandeur de l'être humain, c'est au moins d'avoir de la compassion. Philippe Bilger. Non, mais je suis d'accord. Je connaissais pas tous ces détails, Joseph, mais c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des massacres de Boko Haram. Il y en a, mais des tonnes et des tonnes au Nigeria, dans des zones chrétiennes notamment, puisque le pays est coupé en deux. On n'en parle jamais dans les médias français. Mais le comble, pardon de citer, et je veux pas du tout faire de l'ironie qui serait mal placée, Staline, quand il disait que de mémoire... Un mort, c'est une tragédie, un million de morts, c'est une statistique. C'est une statistique qu'il avait vue juste dans l'horreur. Et on se demande où sont nos féministes pour les yézidis. Enfin, c'est abominable.
Alors je rappelle que les yézidis, c'est des femmes en Irak notamment et en Syrie qui ont été capturées par Daesh et comme vous le disiez, qui étaient transformées en esclaves sexuels, certaines étant encore prisonnières et qui s'étaient aujourd'hui, et qui s'étaient battues très courageusement les armes à la main contre Daesh. Jean Dorido pour réagir. Ça fait partie des mystères pour le coup, pour quiconque s'intéresse à l'actualité, ça il faut en parler à vos confrères journalistes, c'est effectivement de se demander comment sont faits les sujets, qu'est-ce qui fait qu'un sujet se retrouve à la une de l'actualité un jour ou qu'il ne s'y retrouve pas. Et là, précisément, c'est un fait, c'est effrayant d'entendre ces milliers de victimes et ce silence assourdissant des médias français, en tout cas, je ne sais pas, à l'étranger, Joseph, si c'est relié. Joseph, c'est quoi ? C'est la récurrence, finalement, du sujet qui fait que on s'habitue, finalement, au drame, c'est ça ? C'est loin, et puis on ne veut plus voir grande familiarité. L'esclavage, la tragédie. On oublie. L'esclavage sexuel, on oublie, alors que sur les réseaux sociaux, on voit d'ailleurs des prêcheurs qui disent que c'est bien normal. Oui. Que ça soit des esclaves. Mais vous imaginez un instant ce qu'est l'abomination d'une vie de quelqu'un qui est décrété esclave sexuel. Oui. Merci beaucoup pour ce sujet, Joseph, d'avoir réveillé un peu ce sujet, puisque c'est vrai que vous avez raison, personne n'en parle. En attendant, vous restez avec nous dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix, et parmi les pistes pour trouver 20 milliards d'euros d'économies, le président du Modem, François Bayrou, appelle le gouvernement à discuter d'une hausse ciblée des impôts, Philippe. Oui, alors, parlons vrai, une hausse des impôts est-elle inéluctable vu la situation des finances publiques? Si oui, quels impôts faut-il augmenter? Sur les particuliers, sur les entreprises, les impôts directs, les impôts indirects, est-il possible de faire sans hausse d'impôts en réduisant les dépenses? Et à cette question, faut-il hausser les impôts de façon ciblée? Vous dites non à 62%. Vous voulez réagir, le 0826-300-300. Et pour en parler, Benoît Perrin est avec nous, directeur de Contribuables Associés. Bonsoir Benoît Perrin, merci d'être avec nous. Réélu ce week-end, François Bayrou à la tête du Modem, est-ce qu'aujourd'hui il joue de nouveau le trouble fête? Alors je pense qu'au contraire, il s'inscrit dans une fête qu'on joue depuis plus de 50 ans, qui est la fête de l'augmentation des impôts continue. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, on vous attend au standard avec Aude souriante. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est le retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Joseph Touvenel, Jean Dorido et vous au 0826-300-300. Ça va Philippe David? Ça va toujours très bien. On est ensemble jusqu'à 19h en attendant le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. Il me semble que si on arrive à baisser, en plus de ce qui a déjà été fait et prévu, d'environ 5 milliards l'impôt sur le revenu, ce sera un geste significatif. Pognon, j'entends parler que de ça tous les jours. Alors les impôts n'augmenteront pas, c'est un engagement que nous avons pris avec le président de la République. Car enfin, pour gagner de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un. Je pense que un travail avec les parlementaires qui, depuis des années, ont essayé de regarder de quelle manière on pouvait avoir un meilleur équilibre. 2500 pièces d'or? Mais vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache? Et François Bayrou appelle le gouvernement et les parlementaires à discuter d'une hausse ciblée des impôts pour faire face au déficit, option déjà remise sur la table par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Mais le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, rejette catégoriquement cette hypothèse, Philippe. Alors parlons vrai, une hausse des impôts est-elle inéluctable vu le déficit prévu dans le budget de l'État qui est à plus de 5% du PIB alors qu'on devrait être à 3% ou à moins? Si oui, quels impôts faut-il augmenter? Particuliers, sociétés, directs, indirects, est-il possible de faire sans hausse d'impôts en taillant à la serpe dans les dépenses publiques? Comme dit Bayrou, pour réduire le déficit, faut-il des hausses d'impôts ciblées? Vous dites non à 62%. Aude attend vos appels au 0826-300-300. Et notre expert du jour, Benoît Perrin, directeur de Contribuables et Associés, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Parler de gros sous. Encore ce petit pic de François Bayrou à notre ministre de l'économie. Si vous me le permettez, il y a une histoire, mais elle durera une seconde, pas aussi passionnante que celle que raconte Philippe. En général, on dit devant un milliardaire dire « l'argent ne fait pas le bonheur », on entend une voix qui dit « rendez-le ». Mais plus sérieusement, vous avez raison, je crois que j'analyse l'espèce de saillie de François Bayrou davantage que
celle de Yael Braun-Pivet comme une manière de rappeler qu'il existe, qu'il a toujours été sur ce plan-là une sorte de spécialiste et de lanceur d'alerte à une certaine époque, et que là il jette un jardin dans la pierre de Bruno Le Maire et du président de la République. En ce qui me concerne, je crois qu'ils vont continuer la ligne de réduire très modestement les dépenses sociales. Mmh. Ils vont le faire, mais ils ne le font pas d'une manière drastique. Et s'il fallait, sous le contrôle de Benoît, évidemment, réduire, avoir des impôts supplémentaires, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, pourquoi pas à l'égard des particuliers, dans la mesure où les entreprises se sont vues accorder depuis des années des avantages sans qu'à aucun moment elles aient rempli leurs obligations. Jean Dorido. Alors, je ne suis pas sûr de suivre complètement le discours de Philippe. Vous serez dans le vrai comme ça. Simplement, voilà, en bon français, pour réagir à ces propos de Monsieur Bayrou, augmenter de façon ciblée les impôts. Si je suis pas dans la cible, je trouve que l'idée, ma foi, n'est pas sotte, parce que c'est un fait. Et je suis pas sûr de comprendre Philippe Bilger, mais c'est un fait que on a des entreprises en France qui font des profits absolument colossaux. Nous avons en France des capitaux absolument colossaux, et aujourd'hui le travail est incroyablement taxé, l'URSSAF, la retraite, enfin on ne travaille pour caricaturer que pour payer ses charges sociales et ses impôts, alors que par des pirouettes fiscales on a des capitaux absolument colossaux qui sont très très peu taxés. Et c'est un fait que l'idée quand même de répartir tout ça pour remplir les caisses de l'État, parce que c'est notre argent à nous tous, mais en soi, ce n'est pas une mauvaise idée. Joseph Touvenel. Alors moi, je vois une hausse ciblée pour laquelle je serais d'accord, c'est sur les élus du MoDem. Très bon. Pour le reste, il me semble qu'on a un taux de prélèvement qui est quasiment le premier au monde, si ce n'est le premier au monde aujourd'hui, et que trop, c'est trop. Si on regarde, les particuliers payent beaucoup. Les entreprises, alors effectivement, les entreprises qui font des très gros bénéfices, à la limite, je préfère les entreprises qui font des gros bénéfices que les entreprises qui font des pertes. Et les multinationales qui font les plus gros bénéfices, ces bénéfices, c'est généralement à l'étranger. Donc dessus, on n'a pas la main. Et les PME, les petites entreprises, elles souffrent. Ah oui. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de faillites dans les petites et moyennes entreprises. Il faut en avoir conscience. Alors, la question, c'est... Non, mais c'est les gros, c'est les Total, c'est oui, les mais les bénéfices sont faits à l'étranger. Oui, mais d'accord, c'est des boîtes françaises. Alors, on a accepté des règles européennes qui nous enferment. Et on est dans une compétition qui n'est pas une compétition loyale, puisque on n'a pas la même fiscalité, mais oui, mais oui. On n'a pas les mêmes règles sociales et on n'a pas les mêmes règles environnementales. Mais oui. C'est de ça qu'il faut sortir. Et puis, sans doute, faire des économies. Je vais en proposer une autre. Vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de décisions qui sont prises au niveau européen. Oui. Ben dans une entreprise, quand on délocalise les fonctions, on diminue le nombre de salariés, pourquoi on a toujours autant d'élus? Pourquoi il y a toujours autant de parlementaires? Moi, je propose qu'on diminue le nombre de parlementaires d'un tiers, sachant qu'un élu de la République au Parlement ou au Sénat, c'est en gros 1 million d'euros par an. Eh bien, tous les ans, vous faites moins 200 parlementaires, économie 200 millions d'euros. Est-ce que M. Bayrou va le proposer? Et pourtant, ils ont moins de travail qu'avant. Mmh. Alors, je rappelle pour information que c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, hein, la diminution du nombre de députés. Et puis, un engagement qui a manifestement pas été tenu. Alors, d'un point de vue des impôts... Ça, je le confirme. Alors déjà, il y a quand même une bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que on parle enfin de l'argent des Français. Puisqu'en fait, on s'aperçoit, et maintenant c'est public, que l'économie est dans un état catastrophique, que nos finances sont mal gérées. Dettes, déficits commerciaux importants, faillites, nombre record de faillites d'entreprises, y compris pour les petites... inflation, croissance en berne, bref, la situation est catastrophique. Et maintenant, les Français le savent, ce qui est déjà quand même une bonne nouvelle. Deuxième point, après, pour réduire un déficit, bon, en fait, c'est très simple, il y a trois solutions. Soit vous créez de la croissance,
a priori, on est mal parti puisque la croissance a été revue à 1%. Si on atteint 0,8%, je pense qu'on sera content pour 2024. Et à moins d'1%, le chômage augmente. Et à moins d'1%, le taux de chômage augmente, exactement. Et d'ailleurs, il a déjà commencé à augmenter. Donc, soit vous comptez sur la croissance. C'est difficile en ce moment et on sait que pour les années qui viennent, ça risque d'être compliqué. Vous savez qu'il y a eu une descente du Sénat, c'est assez amusant, à Bercy la semaine dernière, qui a donné des chiffres assez intéressants. En gros, on est parti sur des taux de croissance, on le sait, relativement basse pendant plusieurs années. Mais donc comment la croissance, on ne peut pas y compter. Mais comment on explique la croissance Parce qu'en fait, très simplement, on a... Pourtant, on a l'impression qu'il y a énormément d'entreprises qui se créent un peu partout. Alors, il y a d'abord, il y a donc beaucoup d'entreprises, on vient d'en parler, qui malheureusement sont arrivées en fin de vie. Et ça, c'est record. Donc, des défaillances d'entreprises, 56 000 l'année dernière, c'est tout à fait extraordinaire. D'accord. Ensuite, la vraie difficulté qu'ont les entreprises françaises, c'est évidemment tout ce qui est charges et tout ce qui est notamment impôts de production. Impôts de production, c'est des impôts que paient les entreprises sans avoir gagné un centime. Donc, c'est-à-dire, ils sont pas taxés sur leurs bénéfices, ils sont taxés simplement sur le fait qu'ils ont une valeur ajoutée. Et ces impôts de production sont 4 fois plus élevés en France qu'ils le sont en Allemagne. Donc, faut pas s'étonner qu'on ait plus d'industrie. Donc, je reviens à la question sur comment on fait pour régler les déficits. C'est un, donc, on compte sur la croissance. Deux, baisse les dépenses publiques, et ça c'est une solution qui est adoptée par le gouvernement. Oui. Et trois, on augmente les impôts, et sur l'augmentation des impôts, juste un chiffre, on est champion d'Europe des impôts, on était en compétition avec le Danemark depuis des années, et aujourd'hui on a un taux de prélèvement obligatoire d'à peu près 45,4%, ce qui est un chiffre record. Seul, oui. Donc, compter sur à nouveau une augmentation des impôts, c'est du suicide pour nos entreprises, c'est du suicide pour nos particuliers. Et je tiens juste à rappeler une chose, c'est que les super riches, parce qu'en fait, on nous dit toujours, on va taxer les super riches. D'abord, qu'est-ce qu'un riche ou qu'est-ce qu'un super riche? Et deux, on est dans une compétition mondiale. Donc, si on gratte un peu les super riches, qui sont déjà en grande partie partis... Ailleurs, exactement. Bah, qui va trinquer? Comme à chaque fois qu'il y a une augmentation d'impôts, les classes moyennes. Philippe Bilger veut réagir, non? Moi... Benoît, oui, cher. Mais ça veut dire tout de même que à partir du moment où on ne va pas réduire les dépenses sociales autant qu'on le devrait, et que est-ce qu'on aura un autre choix finalement que d'augmenter un peu les impôts de manière ciblée, comme l'a proposé tout à l'heure Joseph? Est-ce que y aura une autre solution puisque la croissance ne sera pas là? Franchement. Moi, je crois que c'est tout à fait possible. Il suffit de s'inspirer de modèles étrangers, tout simplement, qui ont très bien marché. Au Canada, notamment, Jean Chrétien, dans les années 90, il partait d'une situation encore pire que la nôtre aujourd'hui. Il a fait des coupes extrêmement importantes dans les budgets des ministères, en l'occurrence 20%. Il a diminué le nombre de fonctionnaires de 20%. Et il a été réélu avec un programme d'austérité assez fort. Et la croissance et les excédents budgétaires sont revenus après. La Suède a fait la même histoire a eu le même chemin dans les années 90. Mais donc, c'est possible. Réduire des fonctionnaires, c'est pas entendable en France. Pourquoi c'est pas entendable? La France, on en a embauché. Politiquement, c'est certainement pas entendable. Oui, c'est ce que je rappelle aussi un chiffre intéressant. Surtout avec la popularité d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Vous imaginez exactement. Bien. Je rappelle quand même que l'embauche d'un fonctionnaire sous statut de fonctionnaire, ça coûte aux Français à peu près entre 1 et 2 millions. Si on ajoute son salaire plus sa pension, c'est 2 millions. Donc embaucher des fonctionnaires, je rappelle d'ailleurs, en 2023, grande surprise, l'INSEE nous a appris qu'on avait embauché 60 000 fonctionnaires. 60 000. Oui, alors. On est à peu près 5 millions 7 d'agents publics. C'est tout simplement énorme. On a une fonction publique qui est effectivement très lourde, importante. Ouais. Et là, pour reprendre ce que disait Philippe, l'État, il y a toujours des économies à faire. La protection sociale, c'est quand même le gros de l'argent français. Il y a évidemment des économies à faire. Et le dernier point, c'est les collectivités locales, où là, plus 44% d'embauche de fonctionnaires en 20 ans. Mais les comités Théodule avec François Bayrou, par exemple. Commissaire au plan. Pardon, Benoît, je ne voudrais pas être rabat-joie. Simplement, il y a quand même un mouvement dans la fonction publique française depuis des années qui consiste précisément à ne pas réembaucher sous statut de fonctionnaire. On a de plus en plus de personnes qui sont embauchées sous contrat, avec sous des départs public. À la retraite. Vous avez raison, mais sous statut public. Oui, mais sous contrat, ils ne sont pas fonctionnaires, d'une part. Et puis d'autre part, sans vouloir se casser le moral, les dépenses publiques en ce qui concerne la sécurité, forces de l'ordre, policiers, gendarmes, en ce qui concerne l'armée, parce qu'on a quand même aujourd'hui des vrais soucis dans un contexte international, je vois mal comment on va pouvoir se passer d'une fonction publique forte, notamment sur ces questions de défense sur ces points-là, je suis et de sécurité. Monsieur.
juste un chiffre aussi, sur 1000 euros de dépenses publiques, il y en a 66 euros qui est consacré aux fameuses fonctions régaliennes dont vous parlez. Ah là, oui, donc on dépense beaucoup, 1000 euros d'argent c'est... public en France, il n'y en a que 66 qui vont à la sécurité, à la justice. Oui, donc c'est sur le leurre, c'est le gros du paquet, 57%, c'est la protection sociale. Et c'est pour ça que c'est pas drôle à dire, mais il va falloir quand même faire des économies dans ce, si on veut être efficace justement dans cette sphère sociale. Mais c'est le pognon d'un, c'est le pognon d'un de notre président. Exactement. Parce qu'en fait, c'est là qu'il y a l'argent. C'est la fameuse loi de Pareto. Si vous voulez être efficace, bah, faut évidemment piocher dans 80, exactement. Et du coup, il faudra effectivement une lutte acharnée contre la fraude et une lutte acharnée aussi contre les abus du système. Je crois quand on va, on sait bien. Mais on a commencé. Le social, comme si c'était, ou les fonctionnaires. Non. Il faut regarder et cibler. Par exemple, d'abord, les salariés qui travaillent et qui payent pour avoir des services sociaux, c'est normal qu'ils les aient. Mais, oui. Mais le sujet, il n'est pas là. C'est à côté, vous regardez par exemple l'hôpital, vous regardez l'ARS, qui nous coûte très cher et qui sert, on l'a vu avec la pandémie, quasiment à rien. Là, il y a beaucoup d'emplois qu'on pourrait peut-être redéployer ailleurs pour être plus efficace. Vous regardez l'AME, c'est-à-dire l'AME, c'est ce l'aide qu'on... médicale d'État. C'est l'aide médicale d'État pour les personnes qui sont en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'un étranger qui est en situation régulière en France et qui travaille, il n'a même pas les mêmes droits que ceux qui touchent l'AME, ou un Français n'y a pas le droit. L'AME, c'est 1 milliard par an. Moi, j'ai des exemples de gens qui sont à l'AME, qui se font recoller les oreilles gratuitement. Non, qu'on laisse pas les gens périr dans la rue, qu'on laisse pas les gens qui ont une maladie mais grave, etc. Mais elle a été retoquée dans la loi. Oui. C'est là où il faut revoir les choses. On a là des possibilités, sans détruire notre champ social, d'économie. J'allais sur le ministère de la Culture, je peux vous montrer des choses qui coûtent des millions. Ça va s'arranger. J'ai des photos là avec moi, d'une échelle avec un seau. C'est une œuvre qui a été financée par une DRAC. Je suis désolé, là, le DRAC, c'est... Voilà, c'est notre argent. On peut couper. J'en ai le plein tout, des échelles. C'est d'aller voir, ou les ronds-points, c'est extraordinaire. Pour les économies, et c'est, la question, c'est 1 euro qui part dans l'argent public, comment est-il utilisé? Et là, on a une absence de réponse concrète. Vraie question, parce que le régalien ne fonctionne pas alors qu'on est le pays le plus taxé du monde. On est une armée à l'os, on n'a qu'un seul pantalon, incroyable. Il en faudrait deux. La justice ne va pas, santé, l'hôpital ne va pas, l'éducation ne va pas. Où passe le pognon pour parler vrai? C'est vrai. Alors la France, c'est une espèce d'usine avec plein de tuyaux. Et plein de tuyaux percés. Mais il n'y a pas, ça serait trop facile de vous dire, faut faire des économies dans tel domaine. Alors vous avez raison, sur les ARS, c'est quand même 9000 agents qui sont payés à faire des normes. Et quand vous allez dans les hôpitaux, que vous disent les médecins? Et qui sont très bien payés, parce qu'ils sont très qualifiés en général. Exactement. Et que vous disent les médecins, c'est qu'en gros, ils passent leur temps derrière des tableaux Excel à faire des reporting que personne ne lit. Pourquoi? Parce que ce sont des normes qui sont édictées par les ARS en question. Donc vous avez raison. Le problème de l'AME, par exemple, c'est qu'effectivement, on va être obligé de passer par plein de petits efforts un peu partout. Parce qu'on n'a pas, encore une fois, de gros tuyaux, à part le tuyau, en partie quand même, de la protection sociale. Protection sociale, c'est famille, retraite, chômage, logement. À part ce gros tuyau qu'il faut, effectivement, sur lequel il faut mettre un certain nombre de rustines, on va devoir faire des efforts, effectivement, dans tous les ministères, parce que de l'argent à récupérer, il y en a partout. Le vrai sujet, c'est surtout éviter les gaspillages. La suradministration, remettre les fonctionnaires, par exemple, aux 35 heures, parce qu'on sait que, notamment dans la fonction publique, il y en a plein qui sont en deçà des 35 heures. Il faut moins de fonctionnaires, mais mieux payés. Il y en a qui sont bien en deçà des 35 heures. Hein. Je pense à mes amis commando parachutistes. Ouais, bon, je parle pas des gens sur le terrain. Quand on parle des fonctionnaires, on mêle tout. Non, mais déjà, si on vous paye pour 35 heures, il faut les faire déjà. Mais déjà, je rejoins Cécile Benoît. Mais en France, on ne peut pas tout se permettre. On va avoir une France à feu et à sang si on met en œuvre ce qu'il faut faire. Alors le problème, c'est qu'on nous tient, et vous avez raison Philippe, hein, mais on nous tient ce discours-là depuis 30 ans, en disant on ne peut rien faire, parce que si on fait quelque chose, eh bien il y a tout le monde dans la rue. Le problème, c'est qu'on paye aujourd'hui une radicalité nécessaire, parce que les décisions à l'époque n'ont pas été prises par les gens qui nous gouvernent. Donc c'est pas ce gouvernement, c'est pas le gouvernement précédent, c'est l'ensemble des gouvernements. Il y a l'immigration quand même, il faut quand même l'aborder. Ça veut pas dire qu'il faut fermer la France et dire les immigrés c'est de votre faute, mais il y a un coût lié à l'immigration, un coût social, un coût de logement, un coût de prise en charge et qui est énorme.
qui est énorme, est sous-évalué. 53 milliards par an. Mais il y a aussi toutes ces lois qui sont promulguées, sur lesquelles il n'y a jamais de bilan. On ne sait pas si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Ça aussi, c'est un sujet. Alors le vrai sujet, c'est qu'effectivement, il n'y a jamais d'étude d'impact. Voilà. C'est un très bon exemple. Je cherchais le mot. L'exemple de la fin des voitures thermiques. Maintenant, on le sait. En fait, ça a été décidé de manière presque unilatérale, pour pas dire idéologique, sans étude d'impact, sans se dire, finalement... Comme le DPE, exactement. Voilà, c'est ça. Donc on se retrouve avec des lois qui sont pondues au nom d'idéologie, sans juste se poser la question, quelles seront les conséquences concrètes de la loi qu'on va mettre en place. Merci beaucoup Benoît Perrin d'avoir été avec nous, directeur du Contribuable et Associé. On n'avait déjà pas le moral, mais alors là... Surnom à Bruno Le Maire si les impôts augmentent. Non. Le bourreau de Méthune. Oh, Est-ce que Benoît Perrin sera chroniqueur? Oui, absolument. Il va nous donner son agenda et on va le récupérer. Il est comme certains autres, il joue sur les deux tables. C'est vous qui osez dire ça. C'est Philippe qui dit ça, il a tort. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Joseph Touvenel d'avoir été avec nous, directeur de la rédaction du magazine Capital Social, que je vous invite à lire, bien entendu. Merci Jean Dorido, docteur en psychologie, que je vous invite à aller voir, parce qu'on a tous besoin à un moment donné de parler à quelqu'un. Allez-y Philippe David. Et moi j'ai bien dit que j'étais la seule personne saine de cœur et de corps et d'esprit des vraies voix. Mais auprès de qui Jean consulte-t-il? C'est le plus grand. Voilà, c'est ça. Merci. Allez, de le rappeler. Dans un instant, on va vous parler des maladies cardiaques, effectivement, dans un instant dans les vraies voix citoyennes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.